histoires vraies. Paranormal. Le tour de France de l'étrange. Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement dans un lieu fortement hanté. Un poltergeist. Ça peut se manifester n'importe où. Et même dans votre maison. Donc nous allons voir un cas qui s'est déroulé et que nous avons vécu à l'église d'Ifignac. Ce cas très intéressant, car au départ, nous étions en train de chercher une chapelle où il y avait un fantôme de Templier, un Templier de couleur rouge apparemment, ses apparitions sont rouges. Donc nous allons voir tout de suite notre expérience qu'on a eue, malheureusement, à cette église fort intrigante. Avant de vous faire part de l'étrange aventure qui nous est arrivée lors des tournages autour de l'église Ifignac-la-Tour, passons tout d'abord à son histoire. Les origines de l'église Saint-Malo d'Ifignac-la-Tour, d'une architecture romane, sont mal connues. On ne sait si on doit attribuer sa fondation aux Templiers ou à un seigneur d'Ifignac au XIe siècle. La construction de la tour, œuvre de l'architecte Ramard, fut décidée en 1865 pour remplacer le clocher qui menaçait ruine. Mais ce n'est qu'en 1874 que le donjon en beau granit du pays, qui culmine à 32 mètres, fut achevé. Derrière l'église Saint-Malo d'Ifignac-la-Tour, vous pourrez voir un if au tronc creusé par le temps. Cet arbre fut planté dans le cimetière de l'église, et à ses pieds fut enterré en mai 1794 le recteur Guillaume Gauvin, décédé pendant la Révolution au village de Lanouée, où il s'était réfugié. Nous sommes actuellement dans l'église d'Ifignac. Effectivement, un phénomène très étrange, puisqu'il y a une des chaises, alors qu'il n'y a pas de phénomène venteux, il y a une des chaises qui a bougé quand je suis passé à côté d'elle. Je regarde l'ensemble de l'église, et vous voyez, c'est cette chaise-là, celle-là. Celle-là, elle bougeait pas, celle-là, elle bougeait. Effectivement, ce jour-là, j'ai observé une chaise qui bougeait de droite à gauche, comme si quelqu'un ou un esprit la faisait bouger ainsi. Le phénomène n'a pas duré très longtemps. Je l'ai vu du coin de l'œil au début. Je n'ai pas eu le temps de filmer la chaise qui bougeait toute seule, mais par contre, j'ai enregistré le bruit qu'elle faisait. Mais avant de vous faire écouter le bruit de la chaise qui bouge de droite à gauche, j'aimerais revenir sur l'avant-observation. Donc j'étais en visite dans l'église Saint-Malo d'Ifignac-la-Tour, et je filmais les statues, les vitraux, l'architecture, etc. Donc je faisais une petite balade. Je suis sorti de l'église et je suis tombé devant cet if dit millénaire selon les légendes, et je suis rentré dans l'if car son tronc était creux pour y réaliser des vidéos comme vous pouvez le voir en image. Par la suite, je suis re-rentré dans l'église par une petite porte, comme on peut le voir avec le plan Google Earth et les vidéos. Et quelques instants après, j'étais en train de filmer une peinture, un tableau, et c'est à ce moment-là qu'on entend dans la vidéo, et que j'entends aussi, donc à ma gauche, un bruit de toc 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 toc. Et donc à ce moment-là, je tourne ma tête et je vois une chaise qui bouge de droite à gauche, comme si quelqu'un, ou un phénomène, ou un fantôme, ou un esprit, était en train de la bouger de droite à gauche. Là, je tourne mon caméscope, la chaise arrête de bouger. Donc, je vous laisse voir la vidéo et entendre ce bruit que j'ai augmenté pour que vous l'entendiez un peu mieux. Pour précision, j'étais assez loin de cette chaise. Le bruit qu'on entend commence à se manifester, non pas dès que j'ai commencé à enclencher la vidéo, puisqu'à ce moment-là, j'étais en train de filmer une peinture et un tableau, mais un peu plus tard. Autre renseignement à vous faire part, quand je suis rentré dans l'if dont le tronc était creux, je ne savais pas qu'en dessous de moi il y avait une tombe à ce moment-là. Je l'ai appris plus tard en sortant de l'église et en regardant l'historique de cette église. Je suis resté longtemps, j'ai refait le parcours pour voir si le phénomène se reproduisait, si c'était peut-être un courant d'air ou autre, mais la chaise ne s'est pas remise à bouger. Donc mystère ou phénomène tout à fait naturel, courant d'air ou autre, à part y retourner et faire une enquête plus précise dans ce secteur, je n'aurai pas la réponse pour le moment.
Mais je tiens à souligner quelque chose. Lorsque vous allez dans des lieux étranges, où il s'y passe des phénomènes de type hantise, poltergeist, fantôme ou autre, surtout, soyez très vigilants. Ne commencez pas à provoquer les endroits, car on ne sait jamais, des fois, il peut vous arriver de drôles de surprises. Au sein de l'équipe de DHTV, il nous arrivait souvent des choses très curieuses lors des tournages. Je vous en ferai part lors du dernier épisode du 5e Tour de France de l'étrange. Donc je suis actuellement toujours au château de Tonquédec. Après donc l'église hantée des Vignacs, maintenant c'est le souterrain hanté. Mais... Sous couvert de la religion, le sinistre La Fontenelle ravagea au XVIe siècle et avec sa petite armée de soulards, une bonne partie de la Bretagne. Les habitants de Goafrec furent enfumés vifs dans le souterrain reliant le château au village à la tour de Tonquédec. Depuis, cette galerie est hantée. Des lamentations s'y font entendre et les bougies s'éteignent sous les souffles invisibles. Rares sont les téméraires qui osent pénétrer dans le boyau plus avant que la petite rotonde circulaire qui, du côté de Goafrec, en marque l'entrée. On dit aussi que dans les ruines, deux chevaliers de Coetmen se matérialisent souvent, de même qu'un lapin blanc. Coetmen était le nom donné à la lignée des Tonquédec, bâtisseurs du château au XIIIe siècle. À environ 1 km de Plémy, dans une lande parsemée de blocs de pierre, se voit une croix près de laquelle apparaît régulièrement de nuit une très belle dame blanche qui semble âgée d'une vingtaine d'années. Localement, la croix passe pour être diabolique, comme l'apparition pourtant si charmante selon les témoins de ces manifestations. Nous sommes à côté de la chapelle de Lanoué, qui est une ancienne commanderie templière. Voisine du village d'Ivignac, la commanderie templière de Lanoué était la plus importante de la région avant l'arrestation des membres de l'ordre. La chapelle de cet établissement, encore intacte après presque 7 siècles, est réputée hantée par un templier vêtu d'un grand manteau rouge. Ces apparitions sont toujours annoncées par le tintement d'une cloche invisible. Les abords du château de la Hunaudaille sont régulièrement entre 11h et minuit le cadre d'une étrange procession de moines fantomatiques qui errent ombres silencieuses, passant et repassant autour des vieux murs sans chanter ni proférer une seule parole. Donc voilà, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de fantômes de templiers dans les Côtes d'Armor. Nous sommes actuellement à côté de Port-Dic, donc vous voyez l'allée couverte. Effectivement, à Port-Dic, il y a un fantôme qui se manifeste toutes les nuits de Pâques, donc il y a une périodicité des apparitions, un peu comme bon nombre d'apparitions de fantômes. Il y a à peu près le même phénomène à Bokeo, qui se trouve un peu plus loin, mais cette fois-ci à côté d'un menhir, le menhir de Kergoff. Le département des Côtes d'Armor est une terre où il y a aussi beaucoup de mégalithes. Ainsi, il y a 216 menhirs ou pierres levées et alignements de menhirs, 113 dolmens, cairns ou tumulus, et 3 cercles de pierre ou cromlechs. Et pour ceux que ça intéresse, il y a 20 sites dits templiers. Passons à présent aux différentes légendes autour des mégalithes dans les Côtes d'Armor. À côté de Rospez ou Rospé se trouve un menhir qui s'appelle Bilian Vras, ce qui signifie gros caillou. Il est aussi appelé la pierre à fantôme. Un soir, un homme rentrant de la ville neuve en compagnie d'un ami vit soudainement une forme blanche s'échapper de la pierre. Peu à peu, ce nuage blanchâtre prit sous la lune les traits exacts de son épouse décédée 30 années auparavant. Mais il ne fut pas le seul au village à être ainsi berné par des apparences d'êtres défunts émanant du caillou. Pour les gens du pays, il s'agit là d'une de ces pierres habitées par un être de l'au-delà, prêt à prendre l'apparence trompeuse que ses besoins du moment rendront nécessaire. Il s'est souvent passé de drôles de choses sur la pierre dite Bilian Vras, car ces entités ont la réputation d'être peu chastes. Dans la région, à Brélé-Vénèze, une autre pierre levée a fort mauvaise réputation. La nuit, si l'on pose l'oreille contre la roche, on entend distinctement des voix et des bruits singuliers, comme si elle aussi était habitée. Bien étrange, ces pierres à revenants ou à fantômes portent vers l'au-delà. Dans les précédents Tours de France de l'étrange, je vous avais fait part de légendes autour de menhirs qu'on appelle les pierres à bébé,
où, selon certaines légendes, surtout alsaciennes, les jeunes couples, les jeunes mariés qui voulaient avoir des enfants devaient aller sur ces pierres pour aller chercher l'esprit des enfants. En Bretagne, donc, c'est l'esprit des morts. En Alsace, l'esprit des enfants. Curieux phénomène, tout de même. Le menhir dit la chaise de Saint-Gilles, qui se trouve à côté de l'Antique. La légende raconte que Saint-Gilles, un ermite du Languedoc, s'y serait assis avant de lancer au loin son bâton. Le point de chute marqua l'emplacement de la chapelle Saint-Gilles, sur l'autre versant de la vallée, à Binic. Le menhir de l'île Aval, qui se trouve sur la commune de Plumeur-Baudou, la légende raconte que le roi Arthur est enterré sous ce menhir d'1,70 m de haut. Le menhir dit la pierre longue, qui se trouve à côté de Saint-Sanson-sur-Rance, à côté de Dinan. Ce menhir haut de 8 mètres, en granit et quartz, est incliné et comporte de nombreuses gravures visibles. Il serait l'une des clés de la mer. Si on tourne la pierre, la mer arrivera en bouillonnant et inondera le pays. C'est aussi l'une des trois bondes bouchant l'entrée de l'enfer. Le diable était fort occupé à dégager entièrement le menhir afin de mieux aménager l'entrée de l'enfer quand Saint-Sanson, aidé de Saint-Michel, le chassa et remit en place la pierre. La pierre est restée depuis inclinée. Le menhir de Chapelle Saint-Sanson, qui se trouve à côté de Lannion, il aurait, selon la légende, la particularité de rendre les femmes fécondes et de même rendre les lutteurs invincibles. Pour cela, il suffirait de se frotter contre. Nous sommes actuellement dans un lieu qui s'appelle les pierres sonnantes, car ces pierres ont une particularité spéciale. À côté de Saint-Cast-le-Guildo se trouve une étrange curiosité. En remontant l'Arguenon, depuis Saint-Cast, à la limite de la marée, face au château et à quelques centaines de mètres du pont de la D786, on trouve une roche noire qui présente une amusante particularité. Si on la frappe avec l'une des nombreuses pierres de la grève, en utilisant un morceau de même grain et de même couleur, on obtient un son qui se rapproche de celui des cloches d'église, mais dans une tonalité métallique assez haute. C'est cette curiosité qui fait appeler les roches noires pierres sonnantes. Le phénomène bien naturel a été à l'origine de nombreuses croyances populaires. Alors je vais à présent faire le test de ces pierres sonnantes. Nous allons à présent faire le test avec différentes pierres. Celle-là. Okay. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur EDH TV.